Ça va ton look, Georges? Tabarnane. Hein, Georges? Je suis un extraterrestre. Ah, ok, ok, ok. Ah, ah, ah! Ok, avec des bottes de pluie de dinosaures. Fais-tu un petit move? Pour ce segment de mini-jardine, je vous enseigne les meilleurs trucs pour jardiner. Premièrement, vous habillez vraiment le plus pâle possible. Vous mettez les talons hauts qui percent le gazon, comme ça, ça aère le terrain. Je suis déjà tannée. Je suis déjà vraiment tannée. Je vais faire ta-ta-ta! On appuie l'entrepreneur. On appuie l'entrepreneur. Les choix de matériaux et tout ça, c'est plus comme... Ah! C'est ma minette. Non, c'est un tournage. Ça s'appelle un tournage. Quoi? La soie de spaghetti. Super. La soie? Non, mais j'ai dans le regarde ça, hein? Hein? Pourquoi on voulait faire un show de Milena? Parce que ma vie est un sitcom! Elle le savait qu'on était en tournage. Est-ce qu'elle s'en sacrait totalement? J'aime ça virer ma terre, puis... Puis on dirait que quand tu touches à de la terre, c'est un... le contact de tout ça. Ouais, des fois, là, je me mets de même. Fais un coin de rue, moi, là. Puis là, ah ouais, je vais ma terre avec ma petite pelle, puis je mets fleurs, puis ah ouais, puis... Ah, oh, je suis heureuse. En fait, je fumais, je mettais ma cigarette dans la terre, puis... J'aurais dû faire ça, finalement. J'aurais dû faire une fille qui... travaillait dans les fleurs, qui travaillait chez, j'aurais aimé ça. L'expérience d'identifier les besoins, les goûts, les désirs de Mélissa, c'est un calvaire. Honnêtement, elle sait jamais ce qu'elle veut. J'ai bien hâte de voir si elle va le garder, ça. C'est un calvaire. En fait, ça commence demain, Mélissa. Travailler avec Mélissa, c'est un calvaire. Ben oui, moi j'ai déjà travaillé avec Espace Plomberie Duo. C'est des gens professionnels qui répondent rapidement. Parce que j'étais dans ma tête. C'est pas Milly fait du Tinder, là, c'est pas ça. Lui, il a une hache dans les mains. Ah, ah. J'aime les vidéos de chat et de papier bulle. Les tomates, c'est des fruits, bullshit. Ça ferait longtemps qu'il y aurait des bonbons aux tomates si c'était le cas. Mais s'il est entrepreneur général, j'ai envie de dire oui. Je suis dans les stampes. Ça, c'est des petits bijoux, hein. Ça, on pourrait faire juste une série juste avec ça. Je te dis juste des descriptions de Tinder. Ah, c'est vrai, genre, mais t'es une femme, tu la veux-tu? Non, c'est pas fait pour ça. C'est un frigidaire. Ouais. Devriez y mettre une queue, puis niaiser Mel avec ça, là. Puis des oreilles, voyons donc. Écoute, là, une fois qu'elle s'y attend pas, tu... C'est que ça serait trop drôle. J'ai failli amener des souris d'Halloween, failli, mais non, je pense qu'on en a eu assez des vrais. Voilà. Je n'y reste pas tant, là. Ça, c'est mon hommage au Dilophosaurus. Je pense qu'elle aimait ses souliers, hein. Ah, regarde! Ça, c'est mes shorts de... Bon. De mon livre. Ah, il était là, mes camisoles. En train de virer un fric chaud! En même temps, je m'en vole. Je m'en vole un petit peu, j'en ai volé. Ça, c'est beau, là. Oh, la monade! Là, je suis en train de me demander si j'y vole toutes. Mais je sais qu'elle les a vues. Tu sais que c'est du vol, ça, hein? Mais non, mais là, j'emmène un souvenir. Oui, cochon! Comme dans... Fly away, fly away. You shut me down when I'm... When I'm on. Ah. I'm a titanium. Bon, on l'a. Puis cette chanson-là, oui, elle se marche parfaitement avec... Cause I'm a rock. Salut, Annie, ça va bien? Non, mais là, j'ai raccroché, je me suis dit, c'est... Non, j'ai raccroché, je me suis dit, c'est sûr qu'Annie est avec des clients, fait que ça va peut-être être long, fait que je vais raccrocher, elle me rappellera. Tabarnic, hein? C'est quelque chose? Ouais. C'est la campagne ici! Aïe, aïe, aïe! Si je peux faire un bilan émotif de Milly Rénov en ce moment. T'as pas le champ de tir! On est en tournage! Hey, ça tourne, site! Ça tourne, site! Là, faut-tu qu'on fasse un show de chasse et pêche après? Comment ça marche? Milly chasse et pêche? Milly pêche esturgeon, Milly chasse la dinde sauvage. Ça marche. Milly part ensuite une boutique de chasse et pêche. Une pourvoirie. Une belle pourvoirie. Puis j'accueille les gens avec leur petit café, puis avec une coiffe. Pourvoyeur. Non, non, écoute, pourvoyeur. Ça, c'est de là que ça vient, pourvoyeur. Ben oui. Wow. Je viens de réaliser. OK. Bilan émotif, hein? J'ai déchanté assez rapidement quand j'ai vu tous les commentaires en dessous de l'article. Il n'y avait pas un commentaire positif. Shit de marde. Salut! Allô? Salut! Allô? Salut! Allô? Hein? Ben là! T'es-tu en train de claquer mon argent, toi? Non, c'est bien plus toi qui claque.
claque d'argent, mais ça. Chris, je fais rien. Je suis en train de me voler mon tril, là, Chris. Je t'allais manger. J'ai acheté une salade au dépanneur. Mange une salade. Elle était vraiment bonne. Incroyable. Je te le suggère. Qu'est-ce que t'as mangé? Une salade. Mon petite merde, je suis au régime. Moi, j'ai en tête un pyjama party. Je sais pas comment ça va être reçu. Je sais pas si c'est vraiment comme quelque chose qu'on fait beaucoup dans le domaine de la construction. Mais en même temps, je veux dire, c'est un chantier de filles. Ils couchent au manoir. C'est sûr qu'on va faire quelque chose qui n'a pas de sens. Mais comment ils vont le recevoir, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas certaine qu'ils ont déjà fait ça dans des chantiers. J'ai vraiment eu une bonne idée. En fait, j'aimerais ça qu'on fasse un pyjama party. C'est genre, on écoute « I know what you did last summer », elle a tout pour elle, pis tout en pyjama. Ça vous tente dessus? On tourne à Georges. Georges-Édouard. Le secret de la caramilk. Toutes les petites portions qui restent à régler. Mais tu l'as revers? Aïe, aïe, man! C'est pas trop mon... Coupe, il va avoir une phrase sur tout ça! Mon petit coquin! Est-ce que vous me trouvez chic? Est-ce que vous trouvez que j'ai des abdos? Est-ce que vous trouvez que j'ai des muscles? Ouh! J'ai aussi oublié un truc dans mes qualités. Je suis tana et drôle! Je vous dis des bye-bye, les amis. Ça me touche vraiment que vous m'ayez fait des likes et je continue à faire des vidéos. Ça me touche vraiment beaucoup. Bye! Tu te souviens? Ben là, je commence à parler d'émotions qui m'appartiennent. Je commence à plaquer rouge, si tu savais, là. Ouh! Ah, c'est vrai? Ouh! Les plaques! Ah. Peux-tu commencer juste... On m'appelle Mélissa Normandin. C'est ça, remets-nous en contexte. J'ai 37 ans. Je me suis embarquée dans une affaire qui finit pas. Je sais pas ce que je fais. J'ai un chien. Tu veux-tu autre chose? J'ai tout ce que je voulais. Couper. Celle-là, c'est un piano à queue. Avec la queue ou plus petit? Un piano à queue, avec la queue. Une belle grosse queue. Ouais. C'est comme... Massive! C'est un piano à queue. Massive, pis tout. Elle est là. Okay. Elle est bien là. Elle est bien là. Elle est là. La hame est aussi là que ça. Très beau, parfait. C'est correct? Oui. Tu sais qu'un petit peu d'humour raffiné de même. Emily, elle demande, qu'est-ce que t'aimes de Nick? Il dit, comment t'as dit ça? Il est gentil. Pis c'est pectoraux. C'est comme puis ça sa petite barbe. Ah, ok, c'est bon. J'ai dit la même chose à maman. À maman, ouais. La petite moustache à maman. Pas de face. Vraiment gentil. Toutes ces qualités qu'elle a, non. Juste la petite moustache. Que j'ai pas en passant. Que t'as pas en passant. Ouais. Elle commence à pousser sa moustache. Ouais. Comme Manu Massé. Qui connaît Manu Massé? Genre. Non, c'est une... gentille dame, non? Je sais pas si je le mettrais. Hey, ok. Ok, mais. Toi, non? Sur moi. T'es pas en live Facebook, là. Je suis pas en live Facebook. Allô, Paulette. Yo, partage. Pas d'envoyer des cœurs, des pouces. Allez, let's go. Paulette. Tu commences, moi, j'ai une cuisine qui est zéro fonctionnelle. Entre guillemets, mais j'ai un poêle, j'ai de l'eau, j'ai un micro-ondes, je cuisine. Pourquoi tu doutes de moi? En ce moment, il doute de moi. Le réalisateur ici, il doute de moi. J'ai jamais autant cuisiné de toute ma vie que depuis que j'ai une cuisine pas fonctionnelle. Là, je me sens bien dans le bordel, dans le chaos. En fait, je l'accueille, puis je cuisine. Des gâteaux, des tartes, des biscuits, je fais du barbecue. As-tu d'autres questions? Alors vas-y, ce coulé pour bas, j'espère qu'il n'est pas trop cuit, j'ai l'impression que... Oh, il est trop cuit? Non! C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, plus tu secoues, moi, il est cuit. On l'a oublié, mais c'est pas grave, it's fine. Il y a beaucoup de beurre dedans, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de beurre. Moi, je suis très contente de vous avoir, ça finit bien ma semaine. Honnêtement, j'avais une grosse semaine, j'étais fatiguée. Moi aussi.
vous avez ajouté votre petite touche unique dedans. Tellement. Chacune à votre façon, dans chacune de vos entreprises. Tellement. C'est important pour vous de sortir du cadre? Oui. je give up. I won't give up. Non, tu give up pas. Tu fais juste déléguer. Oui. Even if the skies get rough, giving you all my love. C'est quoi la prochaine étape? Ouais. Est-ce que mon citron est bien pressé? Là, il est même. Je peux même pas en faire comme un peu un zeste de citron. Ouais, donne-moi de la limonade. Non, je peux pas. Ah ouais? J'ai plus de jus, c'est ça que je te dis. J'aime ça quand t'as plus de jus. Non, ça fait trop. Il n'y a plus rien qui se passe. Je pense qu'il faudrait que je médite. Bon, j'ai plus de jus. OK, bye. Georges! Georges! Mais c'est super méchant! Mais tu sais, je vais refaire un tour complet. Non, c'est important que tu te balances. Tout en regardant Carole travailler là-bas. Tu regardes au loin. T'as un méchant beau paysage, hein, avec les petites fleurs et tout. Mm-hmm. Les grosses boules à Carole. C'est les grosses boules blanches. Oui. C'est ça. Un beau paysage avec, avec une grosse boule à Carole. Ça, c'est un dégueulasse. Mais ça, elle en vélo, qu'est-ce que je pourrais faire de ma journée?